C'est dommage que l'autre restaurant où on allait il y a quelques années ait disparu. Il était excellent. Eh oui, tout change. Comment pourrais-je le savoir? Ça fait des années que nous ne sommes pas sortis de notre antre. En tout cas, je suis affamée. J'espère que la cuisine de ce restaurant sera aussi bonne. J'espère. Bonjour, Monsieur Lam. Une table pour deux personnes? Oui, en terrasse, s'il vous plaît. Suivez-moi. Un moment, s'il vous plaît. Que se passe-t-il, Charles? Qu'est-ce que tu as? Française! Non, 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 Marie! Comment ça, non? Elle est là, Charles, là, à deux pas de nous. Je veux aller lui dire tout ce que j'ai sur le cœur depuis des années. Ça suffit. Et on y va maintenant. Non, laisse-moi. Comprends-le. Si on ne fait rien maintenant, on la tient. Mais on doit d'abord savoir où elle vit sur l'île et ce qu'elle y fait. Écoute, Dany, réfléchis un petit peu. Si on est patient, l'argent que Germain va gagner, il sera à nous. On partira ensemble et les poches pleines. Ça t'intéresse pas, ça? Attendre, encore attendre. Mais tu parles de combien de temps, Frances? Je te préviens, ma patience est à bout. Écoute, c'est pour très très bientôt, d'accord? Dans tous les cas, si je veux en savoir plus sur cette affaire, il faut que j'aille à Los Angeles, ok? Bon, alors, vas-y. Mais je te préviens, à ton retour, je veux que tu me consacres la moindre minute de liberté de ton temps. Je suis très connue par ici. Mais quoi? Je te faisais juste la bise pour te dire au revoir. Ça va, mon petit lapin? Maman, arrête de me parler comme si j'étais un bébé. Ah, pardon, c'est vrai, j'ai oublié que t'es une grande femme maintenant. Mais tu m'as l'air triste quand même. C'est à cause de l'histoire avec Thomas et Raphaël. Mais tu sais que c'est ta sœur qui a fait des promesses, pas toi. Donc tu peux toujours continuer à aller les voir. Oui, mais j'oserais jamais aller toute seule chez eux. Puis je suis timide, si je tombe sur leur mère... Ouais, c'est vrai, leur mère, c'est pas du gâteau, hein. En attendant, ce qui concerne ta timidité, ça va disparaître du jour au lendemain. Tu vas voir, comme ça, pouf, comme d'un coup de vent. Ça m'étonnerait, je serai jamais sûre de moi autant que toi et Aurélie. Je suis timide et en plus, je suis pas aussi jolie que vous. Mais arrête de dire les bêtises, tu es magnifique ma fille, t'es très belle. Tu as déjà réfléchi pour l'école? Oui, maman. Dis-nous que tu vas accepter. C'est probable, oui. J'ai vu Aurélie. Elle m'a dit qu'elle ne voulait plus vous voir. Ah bon? Ça résout une partie de mon problème. Elle est venue ici? Non, je suis allée chez elle. J'avais besoin d'aller au fond des choses avec cette fille. Apparemment, elle s'est rendue compte toute seule de la charge que représentait un aveugle. Non, elle ne l'a pas fait pour ça. Ah non? Pourquoi alors? Parce que Raph est un peu trop accro à elle et elle a besoin qu'il gagne en indépendance. Oui, je vais le prouver que j'en suis capable. Si ça vous plaît de croire ça. En tout cas, le prétexte qu'elle a trouvé envoie un autre. C'est la réalité, maman. Moi, que tu sois dépendant de moi, ne m'a jamais ennuyé, mon chéri. Mais manifestement, ces jeunes filles se lassent vite. Non, maman, tu as tort. Aurélie a fait ça pour moi. C'est vrai, Aurélie est prête à se sacrifier pour que Raphaël aille bien. C'est ce qu'elle a dit. En tout cas, le résultat est là, c'est le principal. Cette fille est sortie de vos vies. Et je te donne l'autorisation d'aller à l'école pour aveugles. J'aurais vraiment voulu avoir tes cheveux, maman. Tu sais ce que c'est, mes cheveux? Teinture 15, blond miel, tout simplement. Mais c'est sérieux, maman. Il y a des jours, je me sens moche, j'ai l'impression d'attirer personne. Tu es bête, toi.
Tu es magnifiquement belle. Mais peut-être il faut que tu t'occupes un petit peu plus de toi. Est-ce que tu veux qu'on s'occupe de ton relooking? Sérieux? Mais ce serait génial. Voilà, ce serait mon cadeau d'anniversaire. Merci, maman. Et tu seras encore plus belle que jamais. En attendant, en ce qui concerne l'assurance, c'est à toi de jouer. Parce que, en fait, c'est très important de faire ce que tu veux, quand tu veux. Tu t'éclates, quoi. Tu vois? Parce que la fille sûre d'elle est toujours plus belle aux yeux des... garçons? Eh oui. D'accord, maman, je vais me prendre en main. Parfait. Allez, viens, sans câlin. Elle est rentrée dans cette maison. Tu crois qu'elle habite ici? Une maison luxueuse, dans un beau quartier, c'est probable. Alors, si elle est encore avec Germain, c'est là qu'il vit aussi? Nous n'en savons rien. Mais maintenant que nous avons une piste, je vais me renseigner. Pourquoi tu n'entrerais pas pour la confondre? Après tout, tu as la cassette et... Non. Cette fois-ci, je dois faire les choses calmement. Je veux réfléchir et préparer mon intervention. La calculer et envisager toute contre-attaque. Français, c'est ma ligne. Mais cette fois, je ne la laisserai pas nous blouser. Et puis... Et puis quoi? Je veux être au mieux de ma forme quand je serai devant elle. Charles, ne me dis pas qu'après toutes ces années, tout ce qu'elle t'a fait, tu continues à l'aimer. Merci d'avoir accepté de te baigner avec moi. J'avais trop de tension à évacuer. Moi aussi, j'en avais envie. Ouais, avec tout ce qui nous arrive. Tu sais que tout à l'heure, Camille est passée me voir pour s'excuser encore de ce qui s'est passé avec Thomas. Mais tu peux la croire. Écoute, Camille aime Justin, le chauffeur de son patron. Et toi et Thomas, vous êtes bien ensemble, non? J'ai arrêté avec Thomas. Pourquoi? Parce que je peux plus, j'ai trop peur de souffrir. Aurélie, Thomas t'aime. Pourquoi est-ce que tu veux absolument qu'il te fasse souffrir? Je sais pas. Mais de toute façon, j'ai promis à sa mère d'arrêter de les fréquenter si elle laissait rentrer Raphaël dans une école pour aveugles. Pourquoi t'as fait ça? T'avais pas à céder à ce chantage. Mais même si j'avais pas peur de sortir blessée de cette histoire avec Thomas, tout va déjà à travers. Sa mère me déteste, son frère est amoureux de moi. Comment tu veux construire une relation avec ça? Pourquoi t'es aussi câline aujourd'hui? Je sais pas. En fait, la mort des parents d'Isa m'a rendue triste. Je me suis rendu compte que dans ma vie, je n'ai que toi. Dis pas ça, tes parents sont loin, mais tu les as. Et puis tu peux les rejoindre quand tu veux. C'est faux. Tu le sais. Même si je raconte à tout le monde que je suis restée ici parce que je le voulais, c'est faux. Mes parents préféraient partir sans moi. Mais non, pense pas ça. C'est la vérité, Christian. Mes parents ne m'aiment pas. Mon père court après tout ce qui a un jupon et ma mère le suit pour qu'il ne parte pas avec une autre femme. Et moi, je n'intéresse aucun d'eux. Éclaircis les choses avec Raphaël. Non, ça non plus, je peux pas. Il supporterait pas une déception de ce genre. Tôt ou tard, tu devras le faire. Tu peux pas le laisser continuer à croire qu'il a une chance avec toi alors que tu aimes son frère. Peut-être, mais je préfère attendre qu'il soit un peu plus indépendant et qu'il se fasse de nouveaux amis. Le temps est mon seul allié dans cette histoire. Alors utilise-le pour vaincre tes peurs. Si tu aimes vraiment Thomas, tu dois lui faire confiance. Et concernant sa mère, on s'en fiche de ce qu'elle pense. Ouais, t'as sans doute raison. Et toi alors, comment ça se passe depuis que les parents de Christian sont rentrés? Mon père et Jessica se sont réconciliés. Elle a vraiment changé, tu sais. Elle m'a demandé de vivre chez eux et m'a préparé une chambre à côté de celle de son fils. Ah non, tu vas pas aller là-bas alors que... Non. J'ai refusé. J'ai tellement peur d'être proche de lui. Je me demande pourquoi ça m'arrive à moi, Aurélie. C'est mon frère. Essaye de te reposer, ma chérie. Et avec ce que Michel m'a dit de te donner, ça devrait aller mieux demain. Tu sais, j'ai surfé toute la journée pour faire plaisir à papa. Pour oublier.
Mais la douleur n'est pas partie, Jessica. Je sais. J'avais envie de me noyer. Pour disparaître, moi aussi. Pourquoi nos parents sont morts? Toi non plus, tu n'arrives pas à dormir. Bon, mais toi, il est l'heure d'aller te coucher. Allez, viens, ma chérie, on va dans ta chambre. Tiens, Isa, Philomène t'a préparé un bouillon de poulet. Oh non, pas ça. Il faut que tu manges quelque chose, Isa. Non, je ne veux rien. Et moi, tu crois que j'ai envie de manger quelque chose? Tu crois qu'il n'y a qu'à toi que les parents y manquent? J'ai mal à en crever, Isa. Mais pour eux, je dois tenir le coup. Il faut l'accepter. Papa et maman ne sont plus là. Ils ne seront plus jamais là. Pourquoi tout ça nous arrive, mais en tout cas, tu dois oublier Christian. Il y a une tonne de mecs qui rêveraient de sortir avec toi, je sais pas si tu te rends compte. Ouais, je sais. Je plais à Ludo. Non, c'est vrai? Mmh. C'est génial, ce mec, il est super sympa, il est beau, il est drôle. Qu'est-ce que t'attends? Mmh, t'as raison. Et puis, il s'est toujours montré super sympa avec moi. On a vécu le même drame, donc ça rapproche. Ouais. Ça va t'aider au moins à oublier ce fantasme avec Christian. Laisse-toi aller. Je vais essayer. T'as bien raison. Ce que tu dois me dire doit être important pour que tu viennes un jour de congé. Alors voilà. Alors vous allez peut-être penser que je suis en train d'exagérer, mais... Vous vous souvenez de l'homme avec qui vous vous êtes disputé à la salle de jeu? Évidemment, je me rappelle de lui. À mon avis, vous devriez vous méfier. Je l'ai vu à plusieurs reprises dans le coin. Qu'est-ce que tu dis? Ce n'est pas possible! Si, si. Je me suis renseigné et apparemment, il a de la famille ici. Ça expliquerait peut-être sa présence dans le quartier. En tout cas, je pensais qu'il fallait mieux vous prévenir. Tu as bien fait, Justin. Qu'est-ce qui se passe, Charles? Stéphane tourne autour de la maison et maintenant cette femme qui réapparaît, ce n'est pas normal. Quelle femme? Thomas, comment vas-tu? Mieux, j'espère. Ouais, bof, bof. Ça dépend de ce que tu vas me dire. T'as vu Aurélie? Qu'est-ce qu'elle t'a dit? Ben, Aurélie a compris ce qui s'était passé. N'empêche que ça lui a fait beaucoup de mal. Et si elle a cherché à prendre de la distance entre vous deux, c'est de ma faute. Pardonne-moi, Thomas. Non, ne t'en fais pas. De toute façon, les choses ne peuvent que s'arranger. Elle-même, et je le sens. Je suis contente que tu le prennes comme ça. Je me sentais coupable. Non, tu ne dois pas. Et Justin, comment il a réagi? Merveilleusement bien. D'ailleurs, il a rompu avec Alexia. Et ça y est, on sort ensemble. Attends, attends. Ça veut dire que si Aurélie ne revient pas, je n'ai plus aucune chance avec toi après tout ça de baiser. T'es nul. Oublie ça, ça ne te concerne pas. Mais, attendez, j'essaie juste de vous aider. Si quelqu'un vous cherche des ennuis, je peux peut-être vous être utile. À quel titre? Tu es mon chauffeur, pas mon garde du corps. Je te remercie pour ton intérêt, mon garçon. Mais ça ira. Mais Charles, il serait peut-être judicieux de... Merci, on se revoit lundi. D'accord, bonne nuit. Pourquoi tu ne lui as rien dit? Il aurait pu nous aider. Il est jeune, intelligent, costaud. Rends-toi compte qu'on est deux vieux qui vivons seuls et que... Calme-toi et réfléchis. Ça ne te paraît pas bizarre que ce garçon qui sort de je ne sais où et qui ment sur son identité viennent me dire que Stéphane est en train de m'espionner? Est-ce que tu crois que Justin est leur complice? Tout est envisageable. Il cache quelque chose, non? Moralité, moins il en sait sur ce qu'il se passe. On ne parle ni de cassette, ni de Française, ni de Stéphane. Tu as compris? Française? Ah, Justin, tu étais avec Alexia? Non, non. J'ai rompu avec elle. Ah. Bon. Je te sers quelque chose à boire? Non, non, merci. Non, c'est bon. Très bien.
Mais il se trouve que justement, j'ai eu Alexia au téléphone aujourd'hui. Elle regrette terriblement ce qui s'est passé. Je pense que vous devriez vous parler tous les deux. On a déjà parlé. J'espère que tu t'es montré un peu tolérant à son égard. Tu sais, je crois qu'elle essayait juste de prouver à son père qu'elle était à la hauteur, c'est tout. Je sais tout ça, Frances. Son père n'a jamais cru en elle. Je suis bien placée pour le savoir, puisque c'est moi qui ai poussé Alexia à lui prouver qu'il avait tort. Je pense qu'elle a pris son rôle un peu trop au sérieux. Regarde où ça nous a menés. C'est pas grave, tout ça. Une fois que vous serez mariés tous les deux, tu lui donneras un petit coup de main. Et d'Urberville aura enfin tout ce qu'il a toujours souhaité. Un homme à la tête de ses affaires. S'il te plaît, il n'a jamais été question de mariage entre Alexia et moi. C'est pourtant votre destin, mon chéri. Vos fiançailles s'éternisent et... Non. Je tiens pas à me marier tout de suite. De toute façon, quand le moment sera venu, ce ne sera pas avec Alexia. Je te l'ai déjà dit, j'ai rompu avec elle. Justin, pourquoi est-ce que tu es aussi radical? Je pense que tu as vraiment besoin de temps pour réfléchir. Mais c'est tout réfléchi. Tu crois vraiment que je veux perdre mon temps avec quelqu'un qui fait passer ses affaires avant ses sentiments? Non. Promets-moi quelque chose. Promets-moi que tu ne prendras jamais une décision que tu risques de regretter toute ta vie. Réfléchis encore un peu, Justin. Et tu sais quoi? J'aimerais énormément que quand nous rentrerons de voyage, ton père et moi, tu nous annonces votre réconciliation. D'accord? Vous êtes enfin décidé à partir avec papa? C'est bien ça. Comme il nous a apparemment donné un faux nom, il nous est difficile d'avoir des renseignements sur lui. Alors comment faire pour savoir qui il est? J'ai contacté Berthier, un ami qui va personnellement enquêter sur lui. Dès qu'il aura terminé son enquête en cours. C'est étrange que Stéphane et Frances soient sur l'île en même temps. J'ai un mauvais pressentiment. Moi, je suis terrifiée. N'aie pas peur. Je suis en état de me battre, Marie. C'est l'heure de la revanche. Mais pour Justin, j'ai vraiment très peur de le voir entrer et sortir de cette maison en toute liberté, surtout s'il est leur complice. Il ne se passera rien parce qu'on ne sera pas là. Préviens Justin et Camille. Ils seront en congé cette semaine. Et prépare tes valises. On va aller passer une semaine à l'hôtel des quais. Quoi? On sera plus en sécurité là-bas. Berthier doit nous y rejoindre pour démarrer son enquête. Thomas, qu'est-ce que tu fais là? S'il te plaît, laisse-moi rentrer. J'ai fini en cachette, il faut que je te parle. Non, ça ne servira à rien. Je t'aime et toi aussi tu m'aimes. Si c'est à cause de l'histoire avec Camille... Ça n'a rien à voir avec Camille. C'est fini tous les deux. C'est mieux pour tout le monde. Je veux que Raphaël m'oublie, qu'il rentre dans cette école pour aveugle, qu'il... Non, on ne parle pas de mon frère, mais de nous, Aurélie. Même s'il faut qu'on se voit en cachette jusqu'à ce que... Jusqu'à quand? Hein? Non, oublie ça. Jamais. Même s'il faut que je revienne tous les soirs ramper à tes pieds, jamais je ne renoncerai à toi. Pas vu écrire dans ton journal depuis longtemps, Émilie. Ouais, je sais, mais qu'est-ce que j'aurais à y dire? Que mes parents sont morts, que je ne vais pas bien du tout, voire que je suis déprimée à 200%. Franchement, ça vaut pas la peine. Regarde qui est venu te voir, ma chérie. Salut, comment ça va? Pas très bien, tu sais. Regarde, j'ai pris des rollers. On va faire un tour? Non, j'ai pas envie, Jimmy. Bah sinon, si tu veux, on peut aller sur la plage voir la compète de surf. Ou aller faire du vélo. J'ai pas envie de bouger de chez moi. Je veux rester ici. J'ai rien envie de faire. J'ai pas envie de sortir. Merci, Jimmy. Ça n'a rien à voir avec toi. C'est juste une question de temps, tu comprends? T'es pas obligé de faire ça, tu sais. Tu sais, ça m'occupe, au moins. Avec le souci que je me fais pour ma mère... Travailler, moi, ça m'empêche d'y penser. Mon père l'a amené faire des examens. Je suis sûr que ça ira, vieux. T'angoisse pas, OK? Ouais. Christian, on va chez Isa et Mélanie. Tu nous rejoins plus tard avec Cynthia? Oui, bien sûr. Au fait, papa, la mère de Rémi est à l'hôpital pour un électrocardiogramme et d'autres analyses. Tu pourrais y jeter un œil et donner ton avis, s'il te plaît? OK, Rémi, alors, dès que tu as les résultats d'analyse, tu dis à maman de venir me voir. D'accord?
D'accord. Merci, monsieur Alban. Avec plaisir. Dis-moi, en fait, tu m'as pas dit comment ça se passait avec Cynthia en ce moment. Statu quo. Je sais pas si elle s'est rendue compte de mes sentiments pour elle, mais on se parle presque plus. Imagine-toi que ma mère lui a proposé une chambre à côté de la mienne et elle a refusé. C'est pas plus mal en fin de compte. Je sais pas. Je pense que j'y suis pour quelque chose, mais ça me fait mal que Cynthia soit si distante avec moi. J'ai demandé à Thomas de m'accompagner pour venir te voir. Je m'inquiétais tellement pour toi. Merci, Raphaël. Tu sais, je me sens si seule et tellement angoissée. Mélanie, je suis là, tu le sais. Moi aussi, je suis là, vous savez. Mais enfin, chérie, Raphaël était en train de me parler de son soutien. Il a été suffisamment clair hier soir. Inutile d'en rajouter, d'accord? Je voulais juste que Mélanie comprenne qu'elle pouvait compter sur moi, c'est tout. Oui, Raphaël et Thomas sont des amis proches. Je ne vois pas Thomas ici. Salut, Marc. Salut, Marc. Cynthia? T'es prête? Oui, on y va? Cynthia, je voudrais savoir, pourquoi tu veux pas t'installer dans la maison? Je préfère être prudente, Christian. Je pense pas que ta mère aimerait même voir une photo de ma mère dans ma chambre. Ah, c'était pour ça? Oui, pourquoi? Qu'est-ce que tu pensais que c'était? Non, rien. Allez, dis-moi. C'est juste que depuis la discothèque et que j'ai trop bu, j'ai l'impression que tu t'es éloignée de moi. Attends, Christian. C'est toi qui t'es éloignée. Tu me regardes même plus. Tu crois que je m'en suis pas rendu compte et que ça me fait pas mal? J'essayais de... Pardon, je voulais pas te faire de mal. T'es ma sœur et moi, je... Je t'aime, tu sais. Moi aussi. Oh, my God.